Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir chers membres. Nous inaugurons ce soir le cycle de conférences de notre 90e anniversaire et je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue. Comme vous le savez, parce que vous avez lu l'histoire de la Fédération, l'affaire Genève a vu le jour dans les années 1930. C'était une période difficile avec un taux de chômage élevé, des déficits publics importants, on dirait que ça n'a peut-être pas changé, et des batailles idéologiques féroces autour du modèle social idéal. C'est pour sortir de cette crise qui fut violente et de conflits sociaux stériles que l'affaire Genève, sous l'impulsion de chefs d'entreprise mus par l'idéal du respect d'autrui, de la bonne foi et du bien commun, a développé une collaboration avec les syndicats, laquelle s'est d'ailleurs concrétisée par la mise sur pied d'une organisation commune. Cette organisation commune s'est arrêtée en 1945, chacun suivant ensuite sa propre voie. Cette démarche était très originale et elle en inspirait bien d'autres par la suite, au point d'ailleurs d'irriter parfois aussi bien le patronat traditionnel que la gauche. C'est que, contrairement à d'autres, nous croyons que le dialogue social, en tant qu'élément permettant l'évolution économique et sociale, est un facteur de réussite de notre pays, et que face aux défis du futur, son rôle demeure crucial. Fort de cette conviction, nous réfléchissons avec vous, nos membres, à l'évolution de l'économie et de la société en général. C'est d'ailleurs l'une des missions que vous nous avez confiées. Il nous a semblé que l'évolution récente de la technologie, laquelle remet en cause certaines de vos activités, laquelle remet en cause vos structures, laquelle remet en cause vos relations, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou avec vos clients, méritait que nous allions plus loin dans l'effort de réflexion. D'autant que cette réflexion porte aussi sur les activités de la Fédération en tant que telle, sur ce qu'elle délivre en tant que prestataire de services. Ce n'est pas la première fois, comme le montre l'histoire des corporations, qui est un peu celle du phénix qui renaît toujours de ses cendres. Alors seront-elles ces renaissances numériques, globales ou locales? Pour prendre la mesure de ces mutations et de leur impact, nous avons la chance de pouvoir bénéficier ce soir de la présence d'un conférencier d'exception, M. Laurent Alexandre, qui vous sera présenté dans quelques instants. Il a des convictions fortes, il a une expérience vaste et je pense qu'il vous livrera des messages avec lesquels vous aurez à approfondir votre propre réflexion. Je tiens à le remercier d'ores et déjà de sa contribution. Permettez-moi aussi d'exprimer ma reconnaissance à M. Laurent Haut qui a permis la mise sur pied de notre cycle de conférences. C'est un spécialiste des questions numériques. À mon adjoint, M. Olivier Sandeau, qui a pour centre d'intérêt la mutation technologique, l'innovation, et qui a joué un rôle prépondérant dans le choix de la thématique retenue pour ce 90e anniversaire. Merci aussi à M. Anthony Montes et à toute l'équipe du département de promotion qui assure l'organisation des manifestations du 90e anniversaire, ainsi qu'à toute l'équipe que vous ne voyez pas, qui est celle de nos services généraux, qui se trouve derrière, et qui, tout au long de l'année, permettent à l'ensemble de notre manifestation de se dérouler dans les meilleures conditions. Je vous remercie de vos présences extrêmement nombreuses ce soir. Je vois que vous êtes très intéressés par la thématique. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée et je nous souhaite un excellent anniversaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Blaise. Blaise qui va remonter sur scène tout à l'heure en compagnie de Véronique Kempfen, qui est la directrice de la communication de l'affaire. Et après l'intervention de Laurent Alexandre, ils vont venir un petit peu m'aider
à le cuisiner, à revenir sur certains des points de son intervention. Et vous pourrez aussi intervenir par SMS et par WhatsApp. On a pensé que ça serait une façon un peu moins intimidante, peut-être un peu plus inclusive. Il n'y a pas d'app à installer. Vous envoyez juste un SMS à un numéro qu'on vous communiquera tout à l'heure. Et vous pouvez participer si vous souhaitez que je dise votre nom, attachez votre question, vous le mettez dans le message parce que c'est un téléphone qui n'a pas de contact. Notre intervenant, vous l'attendez tous, j'ai vu que je suis sorti à moins 5 et j'ai vu des vagues arriver de gens qui s'intéressent à cette thématique. C'est vraiment une thématique centrale et on a la chance d'avoir un expert, quelqu'un qui réfléchit autour de cette technologie et de son impact sous différents angles. Alors j'ai dû écrire son cursus académique parce qu'il y a pas mal de diplômes, hein, donc diplômé de l'ENA, diplômé d'HEC, et comme ça ne suffisait pas, il a aussi fait un diplôme à l'Institut supérieur des études politiques de Paris. C'est un entrepreneur, vous connaissez probablement tous Doctissimo, qui est une société qu'il a cofondée, qui a été rachetée par le groupe Lagardère. Aujourd'hui, il est actionnaire de plusieurs entreprises, dont DNA Vision, qui est une entreprise de séquençage d'ADN. C'est un auteur de best-sellers. Il a écrit différents ouvrages, un qui est La mort de la mort, il y a quelques années, plus récemment La guerre des intelligences, qui est sorti et qui caracole en tête des charts sur Amazon. Il va nous parler ce soir de la Suisse face à l'intelligence artificielle. Je vous demande d'accueillir Monsieur Laurent Alexandre. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir ici pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est notre adaptation par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème éducatif et politique. Comment empêcher que cette révolution technologique ne conduise à un monde à deux vitesses entre ceux qui maîtrisent l'économie de la donnée, l'économie de la data, l'économie de la connaissance, et puis des gens largués qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'économie restructurée par l'intelligence artificielle dans les 2-3 décennies qui viennent. Nous avons le temps de nous préparer à cette révolution. Mais il ne faut pas perdre trop de temps. Changer le système éducatif, réorganiser nos entreprises, nous former, nous adapter à l'intelligence artificielle ne va pas se faire en 5 minutes. C'est une réingénierie complète de nos systèmes sociaux, politiques, de nos organisations professionnelles qui est à l'œuvre et qui devra être menée. Ça ne se fera pas en 5 minutes. C'est pour ça que je remercie Monsieur Maté de m'avoir convié à faire cette conférence et Laurent Hougue d'avoir contribué à son organisation. Vous avez mon compte Twitter, @dr_l_alexandre, pour ceux qui veulent tweeter. Je ne viens pas ce soir en énarque français arrogant pour vous expliquer que vous êtes des crétins. Je suis un fan. Je ne cesse de donner la Suisse en exemple. J'adore la Suisse. Je suis tout le temps fourré en Suisse. Je suis à Genève extrêmement souvent. J'adore. Ce soir, je vais vous parler de la Suisse face à l'IA. Et je pense que vous êtes avec Singapour le pays le mieux positionné pour bénéficier de l'économie qui vient demain. Et en plus, contrairement à Singapour, vous êtes une démocratie. Vous êtes très bien placé pour gagner la guerre de l'intelligence, pour manager la guerre des intelligences. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments dans le modèle suisse qu'il va falloir faire évoluer au cours de la décennie 2020
et je reviendrai sur quelques points qui sont marginaux, mais sur lesquels je pense que vous devez faire un effort si vous voulez rester les leaders. Vous êtes aujourd'hui l'épicentre mondial de la richesse dans la stabilité sociale, avec l'économie la plus haut de gamme qui soit, tellement haut de gamme que quand le franc suisse devient fou, ça n'a quasiment pas d'impact sur la santé économique du pays. Ce qui prouve à quel point vos productions industrielles et de services sont sophistiquées et ne souffrent pas d'une valorisation importante du franc suisse. Le logiciel suisse, il est extraordinaire. C'est un actif fantastique, un autofinancement extraordinaire des entreprises, un modèle bottom-up qui fonctionne très bien, un apprentissage à côté duquel le système éducatif français est minable, ou le système même anglais et de beaucoup de pays est minable. La façon dont, de façon inconsciente, vous avez monté le logiciel politico-économique suisse pour devenir ce que vous êtes, est un truc incroyable, dont vous n'êtes pas conscient. Mais allez vous promener dans le 9-3 ou dans la banlieue de Bruxelles, et vous allez voir ce que c'est qu'un modèle qui marche mal, avec des communautarismes, des mauvaises intégrations, plein de gamins qui bossent pas. Et vous savez qu'en France, par exemple, il y a 17% de nets, c'est-à-dire de gamins qui ne sont ni au boulot, ni à l'école, ni en formation. Ce n'est pas en Suisse qu'on verrait ça. Ah, je suis désolé, je sais que c'est le canton de Vaud, mais j'adore cette région. J'aime beaucoup, pas tant pour le vin, parce que je préfère les Bourgognes, mais la région de la Vaud, j'adore l'arc alémanique. Et je vous disais tout à l'heure, si ce n'était pas si difficile de devenir Suisse, je crois que je demanderais à devenir Suisse. Vous allez être challengé sur quelques petits points. D'abord, votre modèle pragmatique, incrémental, où on avance tout doucement par consensus, il va être challengé parce que là, nous avons une révolution technologique. Et qu'il y a des moments où il va falloir aller plus vite et pas mettre 18 ans pour trouver un accord au Conseil fédéral et que ça se déploie dans chaque canton. Quand il y a la révolution, il faut galoper et il faut que le temps du consensus ne prenne pas 30 ans. Même si c'est l'un des éléments qui fait votre force aujourd'hui. Il va falloir, dans le futur, par moment, être moins pragmatique et consensuel, et il va falloir foncer un peu plus vite. Le deuxième point, c'est que la Suisse, comme l'Europe, va souffrir du fait qu'elle est exclue du G2 technologique, c'est-à-dire de la Chine et des États-Unis, qui sont les vrais maîtres des technologies du futur et de l'intelligence artificielle. La Suisse, comme le reste de l'Europe, ne produit pas d'intelligence artificielle. Elle en consomme, mais elle n'en produit pas. Il n'y a aucun acteur de l'intelligence artificielle en Europe ni en Suisse. Aucun. Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi sont les maîtres mondiaux de l'intelligence artificielle et nous regardons, pris en sandwich que nous sommes, entre ces deux empires technologiques qui, de façon très différente, sont devenus les maîtres de la valeur et les maîtres de l'intelligence artificielle. Le troisième problème qu'il y a, c'est que votre splendide isolement, qui a bien marché dans des périodes cruelles de l'histoire, et qui n'avait pas de conséquences néfastes aujourd'hui, va se heurter un problème. C'est que les grandes décisions technologiques à l'échelle mondiale, la normalisation de l'intelligence artificielle, sa régulation, sa gouvernance, ça ne va pas se décider à Berne ni à Genève. Ça va se décider entre la Chine et les États-Unis. Et que vous avez le même problème que l'Union européenne en général, c'est que c'est difficile de réguler des technologies quand elles sont développées et qu'elles poussent très loin.
Et en 1905, le Zimbabwe a pas demandé l'avis. La France n'a pas demandé l'avis du Zimbabwe pour savoir si on devait développer notre industrie automobile comme on l'a développée. Pourquoi voudriez-vous que la Californie et la Chine nous demandent notre avis sur l'avenir de l'intelligence artificielle, alors que ce sont eux qui développent ces technologies? Quatrième petit point, c'est que la banque va radicalement changer avec l'intelligence artificielle, pas du tout comme on l'imagine, mais pour des raisons de cybersécurité. Toute la partie informatique bancaire va être concentrée à l'horizon 2030 entre 3 et 5 ou 6 groupes mondiaux, et il n'y en aura aucun de Suisse. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie bancaire suisse va disparaître, mais ça veut dire que ce qu'elle va faire dans la chaîne de valeur bancaire va muter profondément. Dernier point, enfin, l'apprentissage doit pivoter. L'apprentissage suisse est un trésor parfaitement adapté à la période 1990-2020, mais qui va être confronté à partir de 2020 au fait que l'intelligence artificielle va laminer les gens spécialisés et va ouvrir le règne des gens transversaux, multidisciplinaires et non spécialisés. Car toute tâche spécialisée a vocation à être automatisée par l'intelligence artificielle et la robotique dotée d'intelligence artificielle dans les 30 années qui viennent. De la comptabilité à l'analyse d'un scanner, en passant à moyen terme par le nettoyage d'une chambre d'hôtel quand les robots dotés d'intelligence artificielle faible seront économiques, c'est-à-dire entre 2030 et 2035. Quand on a un modèle complètement successful, de pivoter est vachement dur. De passer d'une spécialisation verticale géniale et qui a très bien marché et qui enrôle tout le monde, même les gens pas forcément très très doués, et qui ne laissent personne sur le bord du côté, et admettre qu'il faut changer parce qu'il y a un choc technologique, c'est compliqué. L'entreprise la plus successful au monde et dans l'histoire du XXe siècle sur la photographie, qui connaissait tellement bien les sels d'argent, Kodak, n'a jamais accepté d'abandonner la chimie et les sels d'argent pour aller sur le numérique. En réalité, même si c'est eux qui ont développé les premiers brevets sur les appareils photo numériques. Nous sommes en brouillard et nous avons une imprévisibilité technologique importante, mais nous avons aussi une très grande imprévisibilité sur les conséquences sociales, philosophiques et politiques de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que nous allons voir plein de signes noirs, c'est-à-dire d'accidents imprévisibles, dans les décennies qui viennent. En technologie, mais également en politique. Personne au monde n'a prévu le développement du smartphone. Personne n'a prévu les réseaux sociaux. Personne n'a prévu YouTube. Je pourrais multiplier les exemples. Nous n'avons pas bien prévu ce qui s'est passé depuis 20 ans en matière numérique. On va continuer à dire plein de conneries et à avoir plein de surprises. Cette révolution industrielle, comme Schumpeter l'avait décrite, va avoir des conséquences sociales. La question marxiste va revenir à l'ordre du jour, parce que si nous laissons trop de gens au bord de la route, dépassés par l'intelligence artificielle, nous allons avoir le retour d'une question de gauche et d'extrême gauche. Avec des craintes malthusiennes, va-t-on pouvoir nourrir tout le monde ? Et il va être d'autant plus difficile de se projeter dans le futur que sur un sujet comme l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas nous empêcher de projeter nos propres angoisses psychanalytiques. Les optimistes projettent leurs fantasmes mégalomaniaques et pensent que l'intelligence artificielle va les rendre tout puissants et immortels, et puis les angoissés projettent leurs angoisses de castration et ont peur de se faire zigouiller par l'IA. Dans ce deuxième groupe, vous savez, il y avait Hawkins, le physicien qui est mort il y a 48 heures, qui expliquait que l'IA allait bientôt tous nous tuer. Il y a Bill Gates, le patron de Microsoft. Il y a également
le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, qui explique que l'IA peut exterminer l'humanité dès 2030. Ce à quoi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a rétorqué en disant qu'il était hystérique. Ce qui a conduit Elon Musk à répliquer à Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, qu'il ne comprenait rien à l'intelligence artificielle. Et ils se sont insultés pendant tout l'été, entre juillet et août, sur Twitter et sur Facebook. Donc nous avons beaucoup de mal à avoir une analyse rationnelle. Et ce qui est fascinant en matière d'intelligence artificielle, c'est que nous avons des différences incroyables d'appréciation entre les experts. Je me garderai bien de donner ma propre opinion qui n'a aucune valeur. Mais je vais vous la donner de façon anecdotique. Contrairement à Elon Musk, je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse nous exterminer en 2030. J'exclus que ça puisse arriver avant 2050. Qui est l'âge où je serai mort. Je laisse le fardeau à la génération suivante. Aujourd'hui, hélas, le débat sur l'intelligence artificielle, il est focalisé sur ces prévisions apocalyptiques d'une IA qui nous extermine. Et donc, nous ne réfléchissons pas suffisamment aux conséquences sociales, politiques et économiques de l'IA. Que va-t-on faire des gens qui seront demain moins intelligents que les intelligences artificielles ? On les laisse sur le côté ? On leur donne un revenu universel d'assistance ? On leur met des microprocesseurs dans le cerveau, comme Elon Musk l'a proposé, et il a d'ailleurs créé une nouvelle société, Neuralink, dont il est propriétaire à 100% et dont il est président, destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, de manière à ce qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Toutes ces questions vertigineuses sont devant nous. L'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire doté de conscience, comme dans le film Ex Machina, que je vous incite tous à aller voir, on n'est pas prêt de l'avoir. On ne va avoir, dans les 20 ans qui viennent, que des intelligences artificielles très connes, mais faisant de plus en plus de choses mieux que nous. Conduire un camion, analyser un scanner, conduire un Airbus. Mais ces intelligences artificielles n'auront pas du tout la conscience d'elles-mêmes, comme peut l'avoir l'héroïne intelligence artificielle dans Ex Machina. Hein, qui est une histoire, je ne veux pas vous spoiler parce que je vous invite à voir ce film, dans lequel l'intelligence artificielle fait croire à l'informaticien, qui, comme dans tous les clichés, est puceau, qu'elle est amoureuse, et il la libère, et elle tue tout le monde. Une escroquerie au sentiment numérique, mais qui marche très bien parce qu'elle s'échappe. Mais regardez ce film, c'est un film très intéressant sur comment une intelligence artificielle pourrait devenir forte, mais pour l'instant, on n'est pas là. Les intelligences artificielles vont rester cons comme une bite pendant 30 ans, sans conscience d'elles-mêmes. Mais on va avoir un problème socio-économique à régler. Et là, il ne faut pas perdre trop de temps, parce que les 4 millions de chauffeurs routiers américains, on ne va pas les reconvertir en 5 minutes quand le camion autonome arrive. Il va falloir un peu de temps et un peu d'imagination. Ben oui, ce n'est pas une profession qui a l'habitude de changer de métier, de changer d'activité et de se former. C'est une réalité pratique. Donc, vous voyez que cette crainte que développe Musk, hein, à plusieurs reprises, Musk a expliqué qu'il fallait très vite hybrider notre cerveau avec des circuits intégrés pour éviter que l'intelligence artificielle nous développe, nous transforme en animaux domestiques. De mon point de vue, c'est une erreur parce que ça nous éloigne du vrai enjeu qui est la formation, l'éducation et la réorganisation de nos entreprises. Alors, la Suisse, elle est plongée dans cette dynamique à la fois politique et puis technologique. Les technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences du cerveau, l'intelligence artificielle et la robotique vont transformer l'économie mais aussi la société. Nous rentrons dans un monde où il y a une prime énorme à ce qu'on appelle les plateformes, comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, où l'intelligence va devenir gratuite, l'intelligence artificielle,
Elle n'a pas conscience d'elle-même, l'intelligence artificielle, jusqu'en 2040, mais elle va faire de plus en plus de choses mieux que nous, et elle va être très 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 peu chère. Le prix de l'intelligence artificielle va être divisé par 1 milliard d'ici 2040, alors que le prix de nos cerveaux ne va pas être divisé par 1 milliard. Donc en prix relatif, il va falloir qu'on soit compétitif pour tenir la route. On a des technologies qui sont très explosives, et dont le coût change très vite, comme le séquençage ADN, l'analyse de l'ADN des bébés. Vous avez vu que le Conseil national, hein, chez vous, cette semaine, a décidé qu'on aurait le droit, ça m'a fait rigoler, on aurait le droit en Suisse bientôt de séquencer l'ADN du bébé pendant les 12 premières semaines, mais il sera interdit aux docteurs suisses de donner les résultats à papa-maman suisse avant la 12e semaine, qui est la limite de l'avortement, comme ça les parents ne pourront pas avorter sans l'accord du docteur quand il y a une anomalie génétique qui ne leur plaît pas. Vous êtes des hypocrites. Et puis, on a bien sûr une caractéristique de l'économie du monde qui vient, qui est la démiurgisation. Les nanobiotechnologies, en changeant nos chromosomes, notre cerveau, notre corps, fait de nous petit à petit des hommes-dieux, des homo deus. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Ces transformations économiques, elles conduisent à des oligopoles. Dans le domaine de l'IA, c'est évident, il n'y a que 10 producteurs d'IA sur Terre. Et je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas chez nous. Pour des raisons microéconomiques que Walras avait déjà compris à Lausanne il y a plus de 100 ans, cette économie de l'intelligence artificielle, elle conduit à une concentration très très forte vers quelques acteurs. On ne va pas avoir un producteur d'intelligence artificielle dans chaque canton. Même dans les gros. On va avoir quelques acteurs à l'échelle mondiale et c'est déjà ce qui se passe. On a des oligopoles transnationaux de plus en plus importants qui développent des stratégies hyper technologiques et les petits, y compris des gens très agiles comme les Suisses, vont avoir du mal à suivre. Par ailleurs, nous rentrons dans un monde d'imprévisibilité, de grande complexité, d'inégalité, car il y a des gens qui vont bien résister face à l'IA, il y a des gens qui vont moins bien résister, et puis de vertige philosophique. Tout ça va être compliqué à gérer. Ça va faire du boulot pour le wealth management, parce que nous rentrons dans un monde d'instabilité politique plus grande qu'on l'imagine, et il y a plein de gens qui vont mettre leur pognon en Suisse, non pas pour le secret bancaire, non pas pour frauder, mais simplement parce que la Suisse sera l'un des pays les plus stables au monde en 2050, dans un monde qui va à nouveau devenir révolutionnaire au sens politique du terme cette fois-ci. La démurgisation de l'économie, elle est importante. En Silicon Valley et puis en Chine, on a la volonté transhumaniste de détruire les limites, d'éditer les bébés, et on en parlait compte tenu des décisions prises par le Conseil national, de tuer la mort avec la création par Google d'une filiale Calico destinée à nous rendre immortels, à euthanasier la mort. Ce projet transhumaniste qui est en train de naître entre la Californie et la Chine, et qui naît dans les multinationales de l'IA, est bouleversante. La volonté de tuer la mort, de conquérir le cosmos, de nous augmenter, de fusionner notre cerveau avec l'intelligence artificielle, de créer le bébé à la carte et de supprimer le risque, tout ça est bouleversant. 23andMe, filiale de Google, a un brevet pour la sélection des embryons. Amazon le patron d'Amazon a lancé une fusée Blue Origin et il a l'intention d'envoyer 1000 milliards d'astronautes à la conquête de l'espace. 1000 milliards, c'est-à-dire 150 fois ce qu'on est. Google veut tuer la mort, le patron de Facebook s'est engagé à éradiquer toutes les maladies d'ici 2099. Mark Zuckerberg, en y consacrant sa fortune. Elon Musk veut donc mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, donc de fusionner l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique.
Vous voyez que on est bien loin de la sagesse suisse et de la tranquillité suisse avec les pubs pour le chocolat et les vaches qui mangent de l'herbe en altitude. C'est moins bienveillant, moins bisounours. Ça suit un tout petit peu moins la vision initiale de l'affaire sur l'humanisme chrétien social du centre-gauche. Et je me rattache davantage à cette vision-là qu'à une vision démiurgique de l'humanité, donc ça n'est pas une critique de la devise de l'affaire. Harari, dont même Macron a fait la pub quand il a sorti Homo Deus, a une vision que je partage, mais moi je veux agir, et que j'ai développé dans la guerre des intelligences, c'est que, effectivement, si nous ne changeons pas le système de formation, si nous ne nous préparons pas, nous allons avoir ce qu'il appelle « gods on useless », des dieux qui contrôlent l'intelligence artificielle et des inutiles qu'on va parquer. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça, je pense qu'il faut agir pour éviter un apartheid intellectuel et un monde à deux vitesses entre ceux qui sont compétitifs à l'ère de l'intelligence artificielle et qui seront de plus en plus riches et forts et puissants et qui feront des choses de plus en plus passionnantes parce que le 21e siècle va être certes vertigineux, mais également fascinant. Et puis les autres qui seront largués, avec ou sans revenus d'assistance. Le futur va être imprévisible, et je vous disais tout à l'heure, l'un des éléments cardinaux de l'évolution de l'économie, c'est l'imprévisibilité. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 1995, quand est apparu l'Internet grand public, on a dit que des conneries. On avait dit que ça rendrait la démocratie plus forte, que ça détruirait les fake news, que ça allait diffuser le savoir, réduire les inégalités matérielles et intellectuelles, que ça allait disséminer la démocratie dans tous les pays, qu'il n'y aurait plus de régime autoritaire, que tout serait transparent. Un conte de fées. À la place de ça, on a le darknet, on a la transparence extrême que crée l'intelligence artificielle. Hein, et je vous invite tous à regarder cet article qui a fait la couverture de The Economist cet automne, et où The Economist montre comment les intelligences artificielles, à partir d'une photo de nous, sont capables de déterminer notre sexualité, si on est hétérosexuel ou homosexuel, avec une bonne capacité de prédiction, et notre quotient intellectuel. Et comme j'en discutais hier, de savoir si on est hétérosexuel ou homosexuel ne pose aucun problème dans un pays comme la Suisse, la France ou l'Angleterre, mais il y a des tas de pays où c'est puni de mort, comme l'Égypte et le Pakistan. On voit à quel point cette transparence par l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences dramatiques, y compris mortelles. On a une concentration de la richesse alors qu'on imaginait que l'intelligence artificielle et le web allaient permettre de diffuser la richesse. C'est l'époque où on pensait que les cadres allaient travailler depuis leur maison de campagne. On a le contraire, on a une concentration de plus en plus forte des intelligences dans les métropoles, des fintechs, c'est-à-dire des entreprises qui font des technologies nouvelles de la finance. Nous nous retrouvons dans un schéma extrêmement proche de ce qu'était Venise en 1050. Sur des petits territoires, c'est-à-dire les métropoles high-tech, on a les cerveaux, les start-up, il y avait plein de start-up financières et de start-up commerciales à Venise, extrêmement sophistiquées pour l'époque, les artistes, les palais, tout le pognon. Et puis autour, on avait soit une muraille, soit de l'eau à Venise. Et les 7 ou 8 grandes métropoles du Moyen-Âge, c'est-à-dire Gênes, Bruges, Amsterdam, etc., se protégeaient par des murailles en physique ou par des murailles en eau, avec autour des miséreux avec lesquels ils ne partageaient pas du tout la richesse. Nous sommes en train de recréer ça, alors qu'on avait imaginé que les technologies informatiques allaient juste créer le contraire, en créant un monde d'harmonie, de vérité et de baisse des inégalités. On attendait un conte de fées et on a un tableau de Jérôme Bosch.
cette économie, ces nouvelles inégalités, les perdants de la mondialisation intellectuelle, font émerger un vertige philosophique dont je vous parlais tout à l'heure. Les gens ont de plus en plus de mal avec l'accélération du monde. Dieu revient sous deux formes. La violence des extrémistes et les transhumanistes qui veulent créer Homo Deus, l'homme-dieu, et qui pensent que l'homme va devenir Dieu grâce à l'intelligence artificielle. Le retour probable de la violence, une impréparation de nos sociétés à gérer ces bouleversements, la désynchronisation entre nos institutions politiques super lentes et la technologie qui galope, plein de tabous et un vertige qui prend les perdants de la société de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle, et qui risquent d'être nombreux dans une, deux ou trois décennies si on n'y fait pas attention et si on n'y travaille pas tout de suite. De même, à côté du clivage droite-gauche qui devient moins important, on voit le retour du clivage libéralisme-autoritarisme avec la montée des populismes, le retour d'une opposition entre les matérialistes et les transcendantalistes, entre ceux qui veulent la démocratie directe et ceux qui sont plutôt partisans de régimes de démocratie indirecte, et puis bien sûr entre les transhumanistes et puis les bioconservateurs. Cette opposition va être violente. Dans cette salle, qui pense qu'il est bien de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos petits-enfants ? Qui pense qu'on a le droit de modifier les embryons par des technologies génétiques, de sélectionner les embryons ? Pas tout le monde. Dans la Silicon Valley, presque tout le monde. Ce monde vertigineux, ce monde inégalitaire va faire revenir la violence politique. Comme dans les années 70, la bande Abadère qui assassine le patron du patronat allemand. En Italie, le Premier ministre assassiné par les Brigades Rouges. Patron des organisations professionnelles patronales pourrait redevenir un métier compliqué avec quatre gardes du corps. L'assassinat du patron de Renault en France. Ce qui, d'ailleurs, soit dit en passant, augmentera l'avantage concurrentiel de la stabilité suisse. La Suisse offrira, en période révolutionnaire, un avantage qui est sa immense stabilité. En matière d'intelligence artificielle, depuis 50 ans, il y a un truc qui est constant, c'est qu'on ne fait pas de progrès sur l'intelligence artificielle. Mais depuis 2012, on a une accélération du développement des intelligences artificielles faibles depuis que nous avons, grâce aux réseaux sociaux, plein de données pour éduquer l'intelligence artificielle, car aujourd'hui l'intelligence artificielle s'éduque à partir des montagnes de données des géants du numérique. Car l'intelligence artificielle, pour apprendre, a besoin de beaucoup plus de données que les bébés. Et qui a énormément de données sur Terre ? Les GAFA et les BATX. Et vous savez bien que nous et nos enfants, nous mettons par exemple 10 milliards de photos chaque jour sur Facebook, ce qui éduque les intelligences artificielles visuelles de Facebook. Donc on s'est rendu compte que quand on augmentait la quantité de données avec lesquelles on éduque l'intelligence artificielle, on peut faire des choses extraordinaires. Google a montré récemment que sur une simple photo de notre fond d'œil, on peut faire aussi bien qu'avec un bilan cardiovasculaire de 3 jours. Google a montré à Stanford qu'on pouvait, avec une intelligence artificielle, diagnostiquer le cancer de la peau mieux que les meilleurs cancérologues dermatologiques de Californie. Et les exemples vont se multiplier dans les années qui viennent de tâches que les intelligences artificielles vont faire mieux que les cerveaux biologiques. Alors là, on revient aux petites faiblesses de la Suisse. La Suisse, elle n'est bien évidemment, comme toute l'Europe, pas intégrée dans ce G2 de l'intelligence artificielle. Elle n'est ni la Californie, ni la côte chinoise. Elle n'a ni Google, Apple, Facebook, Amazon, ni Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et là,
la Suisse, comme le reste de l'Europe, va devoir réfléchir à la façon de sortir de sa colonisation numérique, de sa colonisation technologique, puisque nous sommes aujourd'hui une colonie technologique des géants du numérique californiens et chinois. La Suisse est impuissante sur ces sujets-là, comme l'Europe l'est. Et on a vu à quelle vitesse un empire peut mourir. Regardez Nokia en Europe, qui n'a pas compris comment évoluait le téléphone portable. Et l'IA est mort. Et maintenant, est sur une niche en business to business et a abandonné quasiment, à part quelques petits modèles vintage pour les amoureux du passé, a abandonné le téléphone portable. Après avoir eu 60% du marché mondial de la téléphonie mobile, il y a 10 ans. Chez Peugeot, ils sont extrêmement vexés que WhatsApp, avec ses 55 salariés, évalue jusqu'à 2 fois la market cap de Peugeot. Et un jour où je parlais de ça, à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit « Je suis Roland Peugeot ». Je me suis dit « J'aurais mieux fait de la boucler ». Et il me dit « Vous savez, docteur, c'est horriblement vexant, mais vous avez raison, on est ridicule à côté des 55 salariés de WhatsApp. » Peugeot a été créé sous Napoléon, au début ils ne faisaient bien sûr pas de voiture automobile, en 1810, et ils ont 200 000 salariés. Le problème qu'on a, c'est qu'on voit aujourd'hui que le lien entre les États, leurs armées et les géants du numérique est de plus en plus étroit, notamment parce que l'intelligence artificielle va être la brique essentielle de la guerre demain. Un missile nucléaire ne décollera pas si vous n'avez pas d'intelligence artificielle, même s'il n'est pas branché à Internet. On empêchera que vous puissiez l'activer. L'intelligence artificielle de vos ennemis bloqueront vos armes. Et donc, l'intelligence artificielle est cruciale pour les armées des deux grandes nations que sont la Chine et les États-Unis. Donc, ils ne vont pas partager, d'une part. Et d'autre part, une bonne partie des progrès que vont faire les GAFA et les BATX à partir de 2020 vont être des progrès souterrains en synergie avec l'armée. On le voit très bien déjà en Chine, où Baidu travaille déjà beaucoup avec les services de renseignement et avec l'armée, pour des multiples raisons, notamment pour entretenir ce qu'ils appellent le Great Firewall, qui permet d'éviter que la pensée occidentale ne contamine les gentils chinois qui doivent rester marxistes. Cette guerre, on en voit les prémices quand Poutine explique que celui qui sera leader en intelligence artificielle dans la prochaine décennie sera maître du monde au sens militaire du terme. Allons-nous rester une colonie numérique des GAFA ? Allons-nous pouvoir gagner le Game of Thrones des technologies de l'intelligence artificielle ? Pour l'instant, nous n'en prenons pas de chemin, ni l'Europe, ni vous. À l'horizon 2030, si on ne fait pas gaffe, un Novartis, un Roche pourrait morfler si demain l'intelligence artificielle devient un constituant essentiel de la médecine. Donc il faut garder un œil là-dessus. Il ne faut pas que Roche et Novartis deviennent les Nokia de 2032. Et ce n'est pas impossible. Et la Suisse n'y réfléchit pas. C'est en cela qu'il va falloir être un peu moins pragmatique et se faire un petit peu de violence pour faire de la prospective stratégique. Dans le monde de demain, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas être dans un univers libéral, on va être dans un univers d'hyper-régulation. Science a publié récemment un papier qui montre que des chercheurs ont montré qu'avec 100 000 dollars, on peut refaire le virus de la variole, qui tue dans presque 100% des cas, et pour lequel tous les vieux comme moi, nous sommes vaccinés, mais les jeunes ne sont pas vaccinés. Et il y a des pays où il reste de stock de vaccins, comme la France, mais il y a des pays où il n'y a plus de stock de vaccins contre la variole.
Donc vous imaginez bien qu'on va réguler demain la biologie. On ne va pas laisser les gens faire de la biologie et de la génétique dans leur garage. De même qu'on ne va pas laisser les gens développer des intelligences artificielles potentiellement hostiles sur leur, chez eux. Il va y avoir une régulation technologique de plus en plus forte dans le futur parce que ces technologies démiurgiques, on va les encadrer parce qu'elles sont potentiellement très dangereuses. Bill Gates a dit que grâce aux biotechnologies, il est possible de faire des nouveaux virus qui tueraient 30 millions de terriens la première année. Donc il va y avoir une police de ces technologies-là. On va encadrer Homo Deus. On va encadrer l'homme-dieu en rodage que nous sommes en train de devenir. Ces régulations de notre folie technologique, elles ne vont pas se faire canton par canton, elles vont se faire à une échelle plus internationale. Et les leaders de ces technologies, que sont la Chine et les États-Unis, vont être les maîtres de la régulation. Et on ne nous demandera pas notre avis, même si une partie des organisations dépendant de l'ONU ont leur siège au bord du lac Léman. Dernier petit point, la banque suisse va muter. La banque, c'est quatre grandes dans sa chaîne de valeur. L'asset management, choisir les actifs. La sécurité, la confiance et la psychothérapie, rassurer les clients. L'asset management, ça va beaucoup souffrir parce que la gestion d'actifs sous-performe par rapport au tracker, par rapport à une nouvelle technologie financière qu'on appelle les ETF, et ça va être compliqué à gérer pour les gens qui font de l'asset management. Et puis, deuxième problème, la cybersécurité, c'est-à-dire la gestion de la sécurité des transactions et des dépôts, va nécessiter demain des investissements que j'estime entre 10 et 50 milliards de dollars par an. C'est-à-dire pour être capable, quand vous êtes banquier en 2035, de résister aux 1000 milliards de milliards de milliards d'attaques par des intelligences artificielles hostiles envoyées par les autres pour piquer les dépôts chaque milliseconde, il faudra une structure de R&D en IA en dizaines de milliards. C'est pas Lombardier qui va faire ça dans sa cuisine. Ni UBS, ni Crédit Suisse. Donc le back-office sécuritaire, il va être dans la main de quelques acteurs mondiaux qui seront des géants de l'intelligence artificielle. Il va y avoir entre 3 et 10 banques au sens de gestion des transactions dans quelques années. Je ne dis pas que ce sont les GAFA qui seront banquiers ou les BATX chinois. Je dis que ce sont des acteurs de cette taille-là qui seront capables de faire de tels investissements de R&D chaque année. Il ne sera pas plus possible pour l'une des dizaines de milliers de banques qui existent sur Terre de sécuriser les dépôts et les transactions face aux intelligences artificielles hostiles que les voleurs manipuleront. Qu'il serait raisonnable que le quincaillier du coin développe son propre antivirus et son propre tableur Excel. C'est pareil. Alors, quelques mots d'éducation. J'ai débordé de combien de minutes déjà? On est bon, il me reste combien? Je suis au quart de ma présentation. Combien? 5 ou 20? 5. Ah non, pas 5. Non, on transige à 12. Je sais, ça ne se fait pas en Suisse, mais vous me laissez un tout petit peu. Alors, l'apprentissage suisse, il va être un tout petit peu challengé par rapport à la révolution du cerveau et de l'intelligence artificielle. Je vous disais tout à l'heure, et c'est l'idée que j'ai développée dans la guerre des intelligences, il ne faut pas perdre trop de temps et il faut organiser une complémentarité harmonieuse entre intelligence artificielle et intelligence biologique, sans laisser trop de gens sur le côté. Mais l'intelligence artificielle, vous l'avez compris, c'est d'abord un problème d'intelligence biologique. Comment rendre tous les humains plus intelligents que l'intelligence artificielle et comment faire en sorte que nous fassions des choses plus intéressantes demain grâce à synergie entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, elle est révolutionnaire. Le patron de Google
expliquait récemment à quel point il se demandait si les gens souhaitent vraiment, si les êtres humains souhaitent vraiment que la révolution technologique aille si vite. Et le cofondateur, là encore de Google, Sergey Brin à Davos, disait qu'il avait été très surpris par la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle allait. Donc l'un des grands risques que nous ayons, c'est qu'on ait une révolte, comme quand la machine est arrivée avec la révolte des ludites en 1810-1830, parce que nous avons créé une situation très instable pour les classes moyennes. Tous les terriens ont bénéficié, comme la Harvard Business Review l'a montré récemment, de la mondialisation, sauf les blancs peu diplômés et peu formés, en Amérique du Nord et en Europe, dont l'espérance de vie commence à baisser en Angleterre et aux États-Unis, puisque les blancs non diplômés, pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1919, ont un recul de leur espérance de vie aux États-Unis et dans certaines régions d'Angleterre depuis 6 mois. Les largués de l'économie de l'intelligence. La montée du populisme, elle est terrible. Et si nous laissons trop de largués, si les innovateurs, les intellectuels, les start-upers, les gens successful laissent trop de gens largués sur les côtés de la révolution de l'intelligence artificielle, nous aurons une révolution populiste. Et d'ailleurs, entre 1935 et aujourd'hui, nous avons des points communs forts. Les classes moyennes deviennent populistes parce que leur situation, depuis 10 ans, ne s'est pas améliorée, comme dans les années 30. Et qu'il n'y a plus de discours politique qui conduisent les classes moyennes à avoir confiance dans les systèmes politiques. Alors ce n'est pas le cas chez vous, parce qu'il y a très peu de laissés pour compte sur le bas-côté en Suisse, mais c'est le cas dans la plupart des pays. Même en Allemagne, l'AFD populiste a obtenu un score très important et l'Italie est au bord de la rupture. Je ne parle bien évidemment pas du Brexit et de Trump, dont vous connaissez tous les déterminants. Nous allons avoir une grande difficulté, c'est que dans un monde où l'intelligence artificielle progresse de plus en plus vite, il n'est pas certain que la démocratie survive à des écarts de capacité intellectuelle, de QI importante. Les gens les plus intelligents seront plus à l'aise face à la data, face à l'économie de la connaissance, face à l'intelligence artificielle, que les gens moins doués et moins bien formés. Bien sûr que nos capacités intellectuelles ne mesurent pas notre dignité, mais en tout cas, de façon certaine, ils mesurent notre capacité d'être complémentaire et de résister face à l'intelligence artificielle. C'est plus facile d'être complémentaire de l'intelligence artificielle quand on est Mark Zuckerberg que quand on est moins favorisé sur le plan cognitif. Demain, nous allons mettre de l'intelligence de plus en plus dans toute l'économie, c'est ce qu'on appelle la cognification. Et on va bouleverser, je ne vais pas insister, mais on pourrait en parler plusieurs heures, ça va bouleverser la fonction de production. Le fait d'avoir de l'intelligence artificielle pas chère, avec du travail peu qualifié dont on n'a pas besoin, et du travail ultra qualifié dont on aura de plus en plus besoin, parce qu'il faudra de plus en plus de travail ultra qualifié en complément de l'intelligence artificielle, ça conduit à un marché du travail dual, sur lequel il faut faire très attention. Et là encore, c'est le génial Walras qui a inventé ça. La fonction de production, le tissu productif, va être de plus en plus instable, puisqu'on a, dans la fonction de production, un facteur, l'intelligence artificielle, qui est un hybride entre le capital et le travail, dont le prix s'effondre. Donc ça bouleverse la façon dont on produit les biens et les services très rapidement. Et ceux qui sont mobiles s'en sortiront bien, c'est le cas de la Suisse. Il y a des endroits comme les pays d'Afrique du Nord qui ont des économies très rigides, qui vont morfler encore plus qu'ils morflent aujourd'hui. L'industrialisation de l'intelligence artificielle sans démocratiser l'intelligence biologique est un suicide politique. Nous avons un problème. Et là, je ne parle pas de la Suisse, je parle à l'échelle mondiale. Nous avons deux types d'écoles sur Terre. Nous avons l'école de l'intelligence artificielle et puis l'école des cerveaux de nos enfants. L'école de l'intelligence artificielle ne fabrique pas des intelligences artificielles fortes.
mais elle fabrique des intelligences artificielles faibles qui nous concurrencent de plus en plus. Et l'école des cerveaux biologiques, elle n'est pas très efficiente. D'abord, elle est lente. Entre ça et le MBA ou le doctorat du petit, il faut 30 ans. Neuf mois plus beaucoup de temps. Alors, c'est un processus plus agréable sur le plan charnel que d'éduquer une intelligence artificielle, parce que ça reste assez froid, les intelligences artificielles, mais ça prend du temps. Puis en plus, on n'est pas sûr que le gamin réussisse. L'école est un processus lent, beaucoup plus lent que l'éducation des intelligences artificielles. Et la grande injustice des 50 années qui viennent, c'est que dans une économie de la connaissance, la prime aux gens intelligents est de plus en plus importante. Dans une économie où il y a plein de petits boulots, des machins, 1850, bon, ben, il y a des gens qui ont une intelligence conceptuelle, puis des gens qui ont une intelligence plus pratique, plus pragmatique, et tout le monde se démerde. Dans une économie de l'intelligence artificielle, la prime aux gens qui ont les plus fortes capacités cognitives devient énorme et en réalité, on a une courbe exponentielle. On le voit très bien en ce moment. Il y a des jeunes polytechniciens en France de 22 ans qu'on embauche à près de 300 000 euros de salaire. Et chez Google, on a même vu un développeur informatique, Lewandowski, être payé 21 millions de dollars en salaire par an. 21 millions de dollars, hein. Pas deux. 21. Ça, c'est une bombe politique. Et la deuxième bombe politique, qui est un tabou extrêmement dur, et il va bien falloir qu'on en parle, c'est qu'en réalité, on s'en est pas rendu compte parce qu'on avait besoin de plein de gens peu qualifiés dans l'économie du XXe siècle, c'est qu'en réalité, l'efficacité de l'école est très injustement répartie. Les gens intelligents apprennent très vite. Les gens moyennement intelligents apprennent moyennement vite et les gens pas très doués, ils apprennent très lentement. L'école est une technologie merveilleuse qui marche très bien chez les gens à QI élevé, qui marche moyennement bien chez les gens à QI moyen et qui, hélas, ne marche pas bien chez les gens moins doués. Partant de ce constat, il y a des gens qui proposent l'utilisation de technologies radicales pour fabriquer de l'intelligence biologique. Neuralink, on en a parlé avec Musk. Musk dit, on ne va pas réussir à rendre tout le monde capable de résister à l'intelligence artificielle. Donc il faut mettre des microprocesseurs chez tout le monde, dans le cerveau, de manière à ce que tout le monde soit compétitif dans l'intelligence artificielle et qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. Et on peut se demander si le lancement de Neuralink par Musk ne sera pas en fait le vrai début du XXIe siècle, c'est-à-dire du siècle vertigineux des neurotechnologies dans lequel nous rentrons. De la même façon, Facebook lance un casque de télépathie et vous savez que dans 15 mois sort le premier casque de télépathie promis par Mark Zuckerberg qui permettra de parler sans parler, par télépathie, d'homme à homme, d'homme à ordinateur et d'ordinateur à homme. Ce qui est une forme d'augmentation, de neuro-enhancement. Là encore, vertigineuse, et qui pose des problèmes éthiques importants. C'est pour ça que Facebook a promis qu'il ne lirait pas dans notre cerveau sans notre consentement. C'est important. Mais il faudra aussi veiller à pas dire de conneries, parce que vous êtes en télépathie avec votre femme, et vous pensez à votre maîtresse. C'est un peu emmerdant, hein. Il faudra sans doute mettre des filtres, c'est-à-dire qu'il faudra sans doute paramétrer les casques de télépathie de manière à ce que, par exemple, ça ne transmette pas les informations concernant sa propre infidélité. D'ailleurs, là, il y a peut-être un brevet à déposer. D'autres proposent de faire de la sélection embryonnaire, de modifier les bébés. Je vous ai parlé tout à l'heure du brevet déposé par 23andMe, filiale de Google, par l'ex-femme du copropriétaire de Google sur la sélection embryonnaire, qui est un brevet de 2013. Donc cette fusion des neurosciences, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la santé, de l'éducation, elle est troublante.
Et vous voyez que nous rentrons dans une phase de transition cognitive bien plus importante que la transition énergétique. Il va falloir, bien sûr, qu'on règle la désynchronisation incroyable dans laquelle nous sommes entre le rythme lent dont je parlais tout à l'heure de l'école et de la politique et le rythme ultra rapide de la technologie, si nous voulons rendre complémentaire le cerveau humain et l'intelligence artificielle, le transistor et le neurone. Il va falloir mener ce combat et ça ne va pas être simple de rendre tout le monde à la hauteur de l'intelligence artificielle et complémentaire de l'intelligence artificielle. Ça va être un combat. Si on fait une comparaison avec la médecine, si vous prenez les cancers du sein de 1 à 3 cm de diamètre, sans ganglion axillaire, sans métastases pulmonaires, hépatiques, cérébrales, HER moins, BRAC moins, BRAC2 moins, E moins, HER moins, P moins, en recherche depuis 1960, on a déjà dépensé 50 milliards de dollars. Sur ce seul sous-groupe de cancer. Combien on a dépensé en recherche éducative à l'échelle mondiale pour savoir comment apprendre de façon efficace les mathématiques aux gamins entre 80 et 90 de QI, entre 9 et 11 ans, ayant telle et telle et telle caractéristique cognitive ? Zéro. On n'a pas commencé à investir en recherche en pédagogie. Si on veut rendre tout le monde complémentaire de l'intelligence artificielle, il va falloir investir à l'échelle mondiale des centaines de milliards dans les sciences de l'éducation. Il va falloir faire de la veille stratégique parce que le tissu économique peut être disrupté demain très vite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des Nokia ou des Kodak parmi vous, sans que vous le sachiez et sans que vous le voyez venir. Et si on avait dit aux orthodontistes qu'une partie de leur traitement serait fait par une boîte Invisalign grâce à de l'intelligence artificielle, Invisalign qui a déjà 5 millions de patients et qui est située en face de chez Google, en Californie. Si on avait dit qu'on remplacerait les bagues par des gouttières fabriquées par intelligence artificielle en Californie, chez un nombre croissant de patients, eh bien personne ne l'aurait cru parmi les orthodontistes il y a 10 ans. Et pourtant, c'est arrivé. Laurent ? Juste une information, justement, il y a des inspecteurs pour la nationalité suisse qui sont là. Ils m'ont dit si Laurent Alexandre espère un jour avoir le passeport, vu qu'il a déjà 15 minutes de retard, à 20, il n'a plus aucune chance de l'avoir. Donc nous laisse encore 5 minutes. J'ai fini dans une minute. Je dis ça, je dis rien, Laurent. Il va falloir gérer la frontière mouvante entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, et c'est pour ça que l'école va devoir être très réactive, car cette frontière entre le territoire des cerveaux biologiques et le territoire de l'intelligence artificielle va changer sans arrêt au fur et à mesure que l'intelligence artificielle progresse et que le système éducatif change. Il va falloir être très mobile, il va falloir que nous magnifions nos différences, qu'on soit multidisciplinaire, et c'est pour ça que le système d'apprentissage suisse très spécialisé va devoir muter, dans la prochaine décennie. Il va falloir être très transversal, développer l'esprit critique, la transversalité, les humanités. Nous avons pendant encore 15 ans une chance, c'est que les robots ont des mains qui sont beaucoup moins habiles que la main humaine. Donc nous avons le temps de réfléchir jusqu'en 2030-2035 à comment on va réorganiser les métiers manuels. Mais il ne faut pas perdre trop de temps. Dans vos entreprises, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'il va falloir fusionner la GRH et l'IT. On ne pourra pas séparer le management des cerveaux biologiques et le management de l'intelligence artificielle si on veut rendre les deux complémentaires. Et donc l'IT va bouffer la GRH. Et ça va être source de psychodrame, même dans un pays civilisé comme la Suisse. Il va falloir, comme le dit Kevin Kelly, développer des managers des intelligences artificielles parce qu'il y aura plusieurs types d'intelligence artificielle. Il va falloir des incubateurs d'EdTech, il va falloir faire émerger les Montessori du 21e siècle, développer plein de start-up, investir massivement dans la formation et dans l'éducation. Tout le monde ici ne connaît pas Michael Porter, qui est l'homme qui a révolutionné en 1980 à Harvard la stratégie d'entreprise et qui a inventé la matrice des cinq forces pour analyser
la concurrence de façon élargie et très sophistiquée. Si nous voulons rendre nos cerveaux complémentaires et compétitifs face à l'intelligence artificielle, il va falloir que nous fassions le diagramme de Porter de nos cerveaux pour analyser la concurrence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. D'appliquer les théories de Michael Porter à nos propres cerveaux va devenir absolument essentiel dans les décennies qui viennent. La Suisse, j'adore. J'espère vous en avoir convaincu. La Suisse, j'en dis sans arrêt du bien, et les politiques, sans arrêt, je leur dis de prendre un billet de train pour aller à Lausanne, de commencer en bas à l'EPFL et de monter jusqu'à l'école hôtelière, qui pour moi est un modèle d'éducation et de formation professionnelle absolument inouï. Je sais que l'EPFL a des petits problèmes de gouvernance aujourd'hui, mais j'espère que ça va rester l'école d'exception que c'est. Je suis un fan. Je suis un fan, mais face à la révolution de l'intelligence artificielle, la Suisse doit muter pour rester la Suisse, et la Suisse ne doit pas connaître le destin qu'a eu le Japon, c'est-à-dire d'être parfaitement adaptée au temps d'avant, mais de décliner lorsque l'économie change. C'est aujourd'hui ce qui vous menace. Vous pouvez, grâce à l'intelligence artificielle, consolider votre place d'économie la plus compétitive du monde. Vous pourriez, si vous n'êtes pas suffisamment proactif, devenir un deuxième Japon. Je vous remercie. Il y a toujours un... Après les présentations de Laurent Alexandre, il y a un petit moment de silence en général, comme ça. C'est prenant, c'est intense. Véronique, Blaise, une réaction, on va commencer par vous, Véronique. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous avez des questions à poser à Laurent Alexandre ? Alors, en tout cas, je pense que c'est inspirant. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je remercie vraiment Laurent Alexandre de cette conférence qui nous a amené un certain nombre d'émotions contradictoires. Moi, j'ai été tour à tour subjuguée, portée par une sorte d'espoir en me disant finalement l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui va de manière complémentaire nous aider dans nos tâches et peut-être aussi libérer certains de fonctions peu intéressantes pour qu'ils puissent également ensuite avoir du temps pour autre chose, mais aussi des craintes quand on parle justement d'intelligence artificielle forte et puis justement de révolution des crétins. Le mot que vous avez souvent utilisé à nos portes, peut-être. Zéro fois. J'ai utilisé zéro fois. C'est vrai ? Ah non, useless, vous avez dit. Useless. Voilà, exactement. J'ai traduit un tout petit peu de manière. Et c'est vrai qu'on sait c'est déjà. C'est une projection. En psychanalyse, c'est très, très, très intéressant. Quand on projette sur l'autre un truc qu'il n'a pas dit. Non, à sa décharge. À sa décharge, effectivement. À sa décharge, vous avez eu des conversations hors antenne dont oui, j'étais c'est le témoin. C'est vrai, mais, absolument. Je n'ai pas prononcé ce mot parmi vous. Non, on m'avait demandé d'être bienveillant ce soir. Vous avez été très politiquement correct. Clivant. Alors, vos réactions par SMS, et les SMS sont gratuits, 079 130 40 68. Oui. Non, enfin, au fond, j'ai une question assez simple au début, et très basique, très pragmatique, voilà, très suisse. Aujourd'hui, là, vous êtes devant un panel de chefs d'entreprise. Finalement, on a entendu que la Suisse doit maintenant se dépêcher pour ne pas rater le train, ou bien en tout cas sauter dans le train qui est déjà largement en marche. Quels sont, si vous aviez trois conseils à donner très pratiques et très concrets à des chefs d'entreprise aujourd'hui pour justement pouvoir sauter dans ce train en marche et puis faire la Suisse de demain, quels seraient-ils ? Alors d'abord... Le premier conseil, c'est la culture générale sur ces sujets-là. Les entrepreneurs, par définition, sont le nez sur le guidon, ils bossent toute la journée, ils ont plein d'urgences, ils ne prennent pas assez de recul. Quand il y a une révolution technologique, il faut prendre de la hauteur et du recul. Et c'est difficile. Et moi, je ne suis pas un philosophe, théoricien,
des sciences. Hein. J'ai créé 15 start-up dans ma vie. Donc je suis un homme du business, comme vous. Je suis un entrepreneur. Hein. Je suis, voilà. Je sais ce que c'est de payer les cotisations à la fin du mois. Je sais quand on a du mal à payer les factures. Je sais quand il y a un retournement de situation. Je sais quand il y a un client sur lequel il y a un problème. Je sais tout ça. Donc je mesure la difficulté à prendre du recul et à s'informer sur ces sujets-là quand on est, quand on gère un business au quotidien. Mais il faut faire cet effort-là. C'est une vraie révolution technologique qui arrive avec les technologies NBIC. Les positions peuvent être très très rapidement détruites, donc il faut faire cet effort-là. Alors, lire mon bouquin, bien sûr, mais pas seulement. Mais j'arrive bientôt à 100 000 exemplaires vendus, donc je n'ai pas besoin des exemplaires vendus en Suisse. Mais toute plaisanterie mise à part, il faut d'abord s'informer. Et le niveau de connaissance des entrepreneurs sur ces sujets-là n'est pas bon. D'abord, plein se font baiser par les consultants et machins et achètent des chatbots, des trucs qui ne marchent pas. Il faut être vigilant, il faut connaître le sujet pour éviter de se faire pigeonner et puis pour être capable de prédire un petit peu l'évolution de son business. Premier point. Le deuxième, c'est qu'il va falloir recruter des gens bons sur l'IT et pas les profils IT traditionnels. Alors, je ne veux pas aller dans le stéréotype, mais souvent les gens de l'IT sont quand même, j'ai eu beaucoup d'informaticiens, des profils pas très multidisciplinaires, pas très transversaux, s'intéressant moyennement au business et très orientés sur l'informatique, leurs ordinateurs. La caricature de l'informaticien un peu geek, ce n'est pas une caricature, c'est quand même une réalité. C'est d'ailleurs l'endroit où il y a la plus grosse concentration d'Asperger. Donc il va falloir trouver des gens de l'IT qui comprennent le business, qui comprennent les évolutions, qui aient une culture générale, qui aient une culture stratégique. Et puis, le responsable de l'IT et de l'IA, il faut qu'il soit membre du COMEX, forcément. Et il y a encore des entreprises où l'IT n'est pas géré par un membre, par un associé ou un membre du COMEX. C'est le cas dans les banques. Il y a encore plein de banques où il n'y a pas de spécialiste de l'IA au COMEX. Il y a les asset managers, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas les responsables de l'IA. Et ça, c'est une erreur. Donc, il va falloir monter les gens qui s'occupent de l'IT. Et puis, le troisième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, c'est crucial, il faut fusionner la GRH et l'IT, je le pense vraiment. Je ne crois pas une seconde qu'on puisse séparer le management des intelligences biologiques, les salariés, et des intelligences artificielles, l'IT. Je ne crois pas que ce soit possible. Et je pense qu'on va devoir rapprocher ces deux divisions des entreprises, moyennes ou grandes. Blaise Maté, vous réfléchissez depuis très longtemps à cette problématique. Ça m'a beaucoup étonné. Hier, on s'est vu, vous rentriez d'un rendez-vous au BIT. Vous me disiez, mais en fait, l'automatisation, c'est un sujet sur la scène internationale qui existe depuis des décennies. Quelle est votre réaction quand vous voyez ce problème revenir, une fois de plus, ce combat entre l'homme et la machine? Les annonces d'un côté de chômage, d'autres de complémentarité. Mais c'est pas un combat, hein. Je veux dire qu'on essaie de faire fonctionner les choses ensemble. C'est surtout ça que je retiens de la conférence qu'a donnée Laura Alexandre. Il faut pas en avoir peur. Si on en a peur, on est foutu. Peu de choses près. Donc les défis, on les connaît, ils sont assez clairs. Il y a des gens qui vont se retrouver sur le côté de la route, mais pour éviter qu'ils se retrouvent sur le côté de la route, il faut déjà partir de maintenant leur apprendre à conduire. Et c'est ce qu'on fait peut-être pas suffisamment. Donc je dis à tous ceux qui sont dans la salle, étant d'une génération qui a commencé avec la machine à écrire et qui se retrouve maintenant confrontée à ces évolutions, que un peu de peine d'ailleurs à mesurer, il faut pas en avoir peur. J'ai connu trop de gens ces dernières années, j'en connais encore, y compris chez les jeunes, qui disent de toute façon ça me dépasse, donc je vais pas faire l'effort de comprendre. Et là il y a un vrai problème global dans nos sociétés. Vous savez que la Suisse est extraordinairement bien équipée en comparaison internationale. Comme on a des moyens, on se paye généralement des ordinateurs de dernière génération. On a tous l'iPhone, enfin peut-être pas le X, mais celui qui est à côté, c'est-à-dire le 8. Et ça nous paraît normal. Maintenant, est-ce qu'on sait véritablement ce qu'on va en faire? Non, la plupart du temps, on s'est pas posé la question. On a le gadget parce que ça fait bien de l'avoir. Mais on n'est pas allé plus loin en se disant, mais ça, fondamentalement, qu'est-ce que ça me permet de faire dans mon activité au quotidien, que ce soit chef d'entreprise d'ailleurs ou responsable d'autres choses. Alors ça, c'est le premier des constats que je fais. Le deuxième constat, dans le discours de Laura Alexandre, c'est ce constat qui me frappe tout le temps, et c'est peut-être la seule critique que je vais lui adresser, mais ça lui fera du bien, parce qu'on ne peut pas lui adresser beaucoup de critiques, vous êtes d'accord, on peut que le féliciter pour sa vision extrêmement large des choses. Mais il y a une discrépance dans l'analyse et dans le fait qu'il nous a parlé de la Suisse.
Cette discrépance, elle vient que je ne crois pas une seule seconde que l'intelligence artificielle n'ait pas un impact sur les structures politiques. Et quand je parle des structures politiques, c'est le raisonnement, et c'est le même que quand on parle de croissance, à savoir qu'on raisonne toujours avec des pays. Et si ce n'est pas des pays, c'est des régions, au maximum. Au maximum. Si vous regardez la donnée économique, la donnée statistique, elle est agrégée par pays. Elle est juste insignifiante par rapport à la réalité de ces pays. S'il était vraiment pertinente, la Suisse devrait être très mal classée en comparaison internationale. Donc ça veut dire qu'elle est impertinente. Et l'intelligence artificielle va forcément bouleverser un certain nombre de frontières politiques. On est d'ailleurs en train de le voir. Alors elle peut le faire de deux manières, soit sous forme de retour au populisme, ce qui évidemment serait la pire des choses et ce qui nous rappellerait des souvenirs malheureusement à l'origine de la création de cette fédération, ou alors de matière intelligente. Et là, je me demande d'ailleurs si les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine ne sont pas en train de se mettre d'accord. On m'a posé la question tout à l'heure, savoir si l'Inde jouait un rôle dans ce contexte. Il y a beaucoup de questions là-dessus, justement, sur l'Inde et la Russie. Eh ben voilà. Donc on m'a posé ces questions, on m'a dit et l'Inde là-dedans, parce qu'on a beaucoup parlé de la Chine et des États-Unis, on a parlé de la Russie. Je me demande s'il ne peut pas y avoir, d'une certaine manière, une sorte de reconfiguration politique au moyen d'intelligence artificielle qui fait que finalement, la Suisse sera peut-être plus un havre de paix tel qu'elle l'est maintenant. Et c'est une des questions, au fond, que moi, j'avais à vous adresser. C'est laquelle, la question? C'est la politique. Le problème des gens qui vont... Parce qu'il y avait plusieurs questions. Non, il y avait une première, il y avait un certain nombre de remarques. Mais j'ai fait deux types de remarques. La première, c'est, au fond, l'agrégation nationale, est-ce que ça a encore un sens à l'époque d'intelligence artificielle et de la concentration numérique que vous avez décrite tout à l'heure? Oui. Alors, moi, j'aurais tendance à penser oui. Je pense que l'État-nation n'est pas mort. D'ailleurs, on voit la puissance de la Chine, on voit le retour des ambitions impériales dans un certain nombre d'endroits. Donc, je pense que demain, l'État-nation, l'organisation par État va persister. Je pense comme vous que la politique va être disruptée. Moi, je n'imagine pas que la politique va rester telle qu'elle. Donc il va y avoir, derrière le choc technologique, un choc sur la politique. Mais la politique met beaucoup de temps. C'est par définition une technologie qui ne change pas tous les matins. On ne change pas la Constitution, on ne change pas les usages tous les matins. Donc la technologie politique va forcément aller moins vite que la technologie scientifique, hein, au sens propre du terme. Mais vous avez raison. Alors, il va y avoir deux chemins. Il va y avoir le chemin où on réinvente progressivement une politique adaptée au temps nouveau, c'est-à-dire une politique capable de réguler harmonieusement l'homo deus en rodage que nous sommes et dont je parlais tout à l'heure. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, on va partir en vrille et on va avoir le retour des populismes. Hein. Le populisme, c'est quoi? Le populisme apparaît quand la sage alternance entre la droite du gouvernement et la gauche du gouvernement ne marche plus, comme c'est arrivé à la fin des années 20, et où il y a un troisième partenaire qui arrive et qui dit « il y a un complot, on vous manipule, on vous fait croire que c'est compliqué, c'est vachement simple, moi j'ai une solution simple pour tout régler en 5 minutes, et les gens qui vous expliquent que le monde est compliqué sont des menteurs. » Trump, « il y a des solutions simples, on va faire ça, ça va marcher, ça va marcher. » Les gens de l'AFD en Allemagne dont on parlait, en Italie, les gens qui ont été expliqués que le Brexit allait tout régler en Angleterre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'arrivée de ce troisième partenaire politique à côté de la gauche et de la droite du gouvernement qui explique à des gens déboussolés et notamment à des classes moyennes dévalorisées qui se sentent pas bien dans leur pompe qu'il y a une solution simple, non technocratique. Il faut d'ailleurs noter qu'il y a un point commun entre notre décennie et puis la décennie 30, c'est que dans les deux cas, le revenu des classes moyennes n'a pas augmenté dans ces décennies-là. C'est les seules deux décennies depuis 150 ans où les classes moyennes ont stagné ou légèrement décliné. Et donc la loyauté des petites classes moyennes, c'est-à-dire qui est la partie la plus importante de la société, et le support d'une société moderne, eh ben, s'est évaporé, et les gens sont partis en quelques années vers les populistes. Et Laurent, une idée très simple, qui flotte beaucoup, et il y a eu trois personnes qui ont posé la même question, la taxation des robots. Est-ce que ça, c'est une solution à tout ce que vous décrivez, l'automatisation de la société? Le problème des idées simples, c'est qu'elles sont souvent connes. Les robots, ils vont pas payer l'impôt.
ceux qui vont payer l'impôt, c'est soit les consommateurs des produits fabriqués par les robots, soit les capitalistes, soit l'État par déficit budgétaire. Mais si vous mettez un impôt sur les vaches, ce n'est pas les vaches qui vont le payer, c'est les paysans ou les gens qui vont acheter du chocolat Milka. Donc l'idée qu'on pourrait taxer les robots est une idée enfantine, c'est une idée populiste. Alors, on peut taxer le robot en tant que facteur de capital, mais de penser que c'est une solution magique et que le robot va payer, c'est faux. Ça va forcément être payé à la fin par le capital, par le travail ou par le capital ou effectivement par l'État, si c'est l'État qui subventionne les conséquences désastreuses qu'aurait une taxation des robots. Donc la taxation des robots, ça ne marchera pas plus que si vous imaginez que les vaches vont payer l'impôt sur les vaches demain. Véronique, un mot rajouté là-dessus ? Alors pas forcément sur la taxation des vaches. En revanche, on a beaucoup parlé énormément de quotient intellectuel, c'est vraiment un de vos mots qui revient le plus souvent, le QI. On entend beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais les personnes qui ont peut-être moins de QI que d'autres pourraient aller peut-être dans des métiers de soins, par exemple, à la personne, parce qu'elles disposeraient, à contrario, ou bien de manière complémentaire à leur QI, de beaucoup de quotients émotionnels aussi. Est-ce que ça, c'est aussi une idée simpliste, ou bien finalement, est-ce que c'est quand même une voie praticable, justement, pour des personnes qui, peut-être, d'un point de vue purement intellectuel, sont peut-être un peu moins dotées, mais qui ne sont pas, évidemment, complètement exemptes de compétences, notamment, justement, dans la relation interpersonnelle ? Alors, là, je ne vais pas être politiquement correct. Mais derrière cette analyse, et je ne dis pas du tout que c'est la vôtre, se profile l'idée que les gens intelligents sont méchants et pas empathiques, et que les gens moins malins sont super empathiques. Ça n'est pas la réalité. En réalité, les gens intelligents, ils sont très empathiques. D'ailleurs, quand vous prenez un bon commercial, vous n'allez pas chercher quelqu'un qui a un QI faible, vous allez chercher un mec qui a un QI fort. C'était pas vraiment le sens de la question. C'est un truc qu'on pourrait... La question, c'est, y a-t-il plusieurs types d'intelligence ? Oui, alors il n'y a pas plusieurs types d'intelligence dès le début du XXe siècle. Et ça a été une immense surprise. On s'est rendu compte que toutes les intelligences étaient assez forcément corrélées. Un facteur général qu'on appelle le facteur G en neurosciences, les gens étaient très surpris. Ils étaient persuadés qu'on avait chacun un cocktail d'intelligence différent. Hélas, les différentes formes d'intelligence sont corrélées assez fortement. Et donc, quand on a une forme d'intelligence, on a les autres qui sont assez développées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Une corrélation n'est pas une égalité. Mais donc, effectivement, hélas, les différentes formes d'intelligence sont corrélées. Donc, il y a des gens qui sont moins doués dans toutes les dimensions. Et le challenge des décennies qui viennent, si on veut éviter gods and useless, là encore, ça va être de trouver le moyen de faire grimper ces gens-là par des technologies que nous n'avons pas, peut-être par une école modernisée, par des systèmes de formation modernisés, de manière à ce qu'on réduise les inégalités intellectuelles. Il faut savoir un truc dégueulasse et terrible. Si demain on double le budget de l'éducation, on va augmenter les inégalités intellectuelles. Parce que les gens les plus doués vont progresser plus vite que les gens les moins doués. Oui, mais en même temps, pour prendre une comparaison médicale que vous allez mieux comprendre, si demain on double le budget du sport en France, on va augmenter les inégalités aux 100 mètres, parce que les enfants myopathes ne vont pas courir plus vite, ils vont toujours être en fauteuil roulant. Alors que les gamins qui ont des bons muscles, d'un point de vue génétique, si on les forme et qu'ils ont des bons coachs et des bons profs et des bons stades, ils vont énormément progresser. À la fin, vous doublez le budget des sports, vous avez augmenté les inégalités en éducation physique. Et ben, Laurent, pour l'école, c'est la même chose, et ça pose d'énormes problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de la gauche de la courbe ? Il faut trouver une technologie qui aide les gens moins doués. C'est une question qui se pose beaucoup dans le public. Il y a pas mal de gens, il y a 3 ou 4 personnes qui ont demandé « Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants ? Qu'est-ce qu'on leur apprend ?» Et je crois que le sens de la question de Véronique était de dire « Y a-t-il des choses sur lesquelles on devrait se concentrer ? Par exemple, une machine est-elle capable d'être créative ? Une machine est-elle capable d'être agile ? Vous avez dit à moyen terme, peut-être. À 15 ans, oui, aujourd'hui, pas trop. Quels sont, je crois que la question, le sens, c'est sur quoi on se concentre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous reste à nous, humains ? Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est incapable de faire dans les décennies qui viennent ? Elle est incapable d'avoir de l'esprit critique. Pour des raisons technologiques très très complexes, mais elle n'est pas capable. Et d'avoir conscience d'elle-même, c'est le sens d'un message. À terme, peut-être, mais en tout cas, l'esprit critique, vachement compliqué. Là, on a une supériorité énorme. Le travail collaboratif, on va rester meilleur. La transversalité, la multidisciplinarité, donner du sens aux choses, on va rester meilleur.
et très 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 longtemps. Donc nos gamins, qu'est-ce qu'il faut leur apporter? Une vision des valeurs, du sens, le sens de l'histoire. Moi, mes gamins, là où je mets l'accent, c'est l'histoire. Il ne faut pas faire de tous les gamins des codeurs informatiques. L'intelligence artificielle va coder mieux que les codeurs, en tout cas les codeurs bas de gamme. En revanche, apprendre l'histoire aux gamins, leur montrer d'où on vient, l'histoire des idées, l'histoire philosophique, de les aider à se projeter dans le futur, à être capable de faire de la prospective, à se mouvoir dans un monde très 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 complexe, ça suppose d'avoir une culture générale, des humanités et le sens de l'histoire. Il faut faire lire les gamins, il faut les rendre multidisciplinaires. C'est pas forcément facile, mais c'est là où il est certain qu'ils ne seront pas attaqués par l'intelligence artificielle. Pour la faire courte, hein, il faut mettre nos gamins le plus loin possible de là où l'IA est bonne et le plus près possible des endroits où l'IA est nulle. C'est évident, mais ce n'est pas ce que fait le système scolaire. C'est-à-dire, on continue à former plein de gens en leur donnant des capacités techniques très spécialisées sur lesquelles ils vont rester quelques années bons et utiles, mais sur lesquelles ils vont se faire disrupter par l'intelligence artificielle. La comptabilité est un très bon exemple. Il va rester des réviseurs et des experts comptables. Il est extrêmement peu probable qu'il reste des comptables en 2035. Et on continue d'en former. Donc là, mais des experts comptables, il y en aura encore dans 1000 ans. Hein. Mais là, il y a un problème. C'est-à-dire que nous formons aujourd'hui nos gamins aux métiers du passé et nous les formons assez souvent encore à des métiers où ils vont être challengés par l'intelligence artificielle. De toute façon... Mais parce qu'on ne connaît pas les métiers du futur non plus. Mais on sait ce qu'il faut faire demain pour être très flexible. Et il va falloir être très flexible parce qu'il y a une révolution technologique qui arrive. Mais qui est très paradoxale, puisque la révolution technologique est en train de nous repousser vers ce qui fait nous des humains. C'est quand même intéressant. Vous êtes en train de nous parler du retour des humanités, du retour de l'empathie, de la créativité, du relationnel. C'est quand même paradoxal. Plus on met de technologie, plus on a besoin d'humains, en fait. Mais non, il faut faire là où l'IA n'est pas bonne. De même que vous, en tant qu'entrepreneur, vous faites là où vous êtes bon et vous vous éloignez des segments stratégiques où il y a des concurrents qui sont meilleurs que vous. C'est la même chose. Il faut faire l'analyse concurrentielle de notre cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller là où il n'y a pas de concurrence. Et là, en l'occurrence, là où il n'y a pas de concurrence de l'IA. Et donc, il faut bien comprendre comment évolue l'IA, et notamment le deep learning, qui est le cœur avec le machine learning aujourd'hui de l'IA. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle entre aujourd'hui et 2050 pour nous positionner en tant qu'individus et puis positionner dans nos familles nos enfants à être le plus complémentaire possible de l'intelligence artificielle au lieu d'être substitué par l'intelligence artificielle. Des boulots, on va en inventer des tas. Il y a un nombre incroyable, inimaginable de nouveaux métiers, de nouvelles activités à inventer au croisement entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. À l'échelle de la société tout entière et à l'échelle de nos familles, il faut juste qu'on veille à ne pas avoir des enfants, à ne pas avoir des citoyens qui ne sont pas capables d'être complémentaires de l'IA et qui ne participent pas à ce siècle incroyable de créativité, de potentialité dont je parlais tout à l'heure. Nous vivons l'âge d'or des innovateurs. Il faut qu'on étende ça à toute la société et qu'on n'ait pas un gros 40% de la population qu'on laisse au bord de la route avec comme seul parachute des revenus universels et des revenus d'assistance en attendant qu'ils soient vieux. C'est un monde dégueulasse, c'est un monde inacceptable. C'est en cela que nous devons reconfigurer nos systèmes sociaux, parce que... On n'a pas le temps de parler du revenu universel. Pourquoi on n'a pas le temps. Pourquoi on ne s'est jamais intéressé à la formation des gens moins doués? Je ne parle pas de vous avec le système d'apprentissage, hein, je parle de doué au sens conceptuel. Je ne parle pas du système suisse, mais dans un pays comme la France, dans un pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis. C'est parce que les économies du XXe siècle avait besoin de beaucoup de gens faisant des petites tâches répétitives, faire la plonge dans les restaurants, faire les trucs, sur lesquels on n'avait pas forcément besoin qu'ils fassent le PFL. Et quand arrive l'intelligence artificielle, ce système-là, eh ben, il ne marche plus. C'est-à-dire qu'on va avoir progressivement sur 50 ans moins besoin de gens qui font des tâches répétitives, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles, parce que la robotique et l'intelligence artificielle, progressivement, vont faire ça mieux que les hommes. Et donc, on s'était jamais posé la question.
On investit beaucoup dans les écoles Montessori pour former les enfants de la haute bourgeoisie. On investit plein pour que le PFL soit magnifique avec du sponsoring, le bâtiment Rolex. On investit beaucoup pour former les gens qui ont une intelligence conceptuelle forte. Puis les gens qui ont une intelligence conceptuelle moins forte, eh ben on n'investissait pas sur eux parce qu'on avait besoin de plein de gens, de plein de tâcherons. Et ce système-là, il est dégueulasse, mais surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, il conduit à une explosion des populismes décennie après décennie. Alors, il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur ce point-là, par exemple, qui parlent de plombiers, de gens qui vont construire des choses, tirer des fils, etc., en disant que ce n'est pas des jobs qu'ils pensent être automatisés maintenant. Personne ne connaît le futur, c'est difficile de se positionner là-dessus. Oui, alors malheureusement, il ne reste plus de temps, et on va continuer la discussion dehors, c'est-à-dire que Laurent Alexandre je voudrais juste répondre sur les métiers manuels. On va laisser le mot de la fin. Allez, encore un mot de Laurent Alexandre. Le problème n'est pas manuel, pas manuel. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer en PDF un papier que j'ai fait dans l'Express il n'y a pas très longtemps. Les chefs étoilés Michelin sont très sophistiqués, très innovants, et ils ne sont pas menacés par l'intelligence artificielle. Ce qui est menacé par l'intelligence artificielle sont les gens qui font des tâches intellectuelles ou des tâches manuelles, basiques, automatisables. Les tâches manuelles ou intellectuelles innovantes ne seront pas attaquées. Il n'y a pas de problème de séparation entre le manuel et les tâches intellectuelles. D'ailleurs, il suffit d'aller voir un chef étoilé Michelin, c'est tous des gens qui ont une créativité, une intelligence, même si c'est des manuels. Tout mon discours n'est pas un discours d'opposition entre la main et l'intelligence conceptuelle, c'est pas du tout. Le problème, la vraie segmentation, c'est est-ce que je suis innovant, créatif, et là je suis sauvé, que je sois manuel ou pas manuel, ou est-ce que je suis pas innovant et je fais des tâches assez standardisées, spécialisées, et là je suis vraiment dans le souci. C'est ce que voulait dire Darwin, survival of the fittest, c'est pas le plus fort, c'est le plus agile et ceux qui sont capables de se réinventer et de s'adapter. C'est ça le darwinisme. Besmaté, le mot de la fin ? Surtout de savoir s'adapter. Ça, c'est très important. Il était démontré depuis longtemps que c'est la capacité d'adaptation qui est déterminante. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure et je remercie Laurent Alexandre vraiment de son propos qui, j'espère, vous aura stimulé. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut imaginer les meilleurs moyens de s'adapter. De toute façon, nous y serons contraints d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'aimerais dire que j'ai été très impressionné cette fois de voir Laurent Alexandre en chair et en os, hein, d'avoir un peu d'humanité dans cette présentation d'intelligence artificielle. J'avais eu l'occasion d'écouter à nombreuses reprises, mais c'était plutôt sous forme numérique. Là, c'était vraiment dans un échange extraordinairement profond. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Et que vous aurez compris maintenant, avec cet échange très proche dans cette salle qui permet au fond de poser des questions de manière quasi instantanée à la personne, même si on est passé par des téléphones, vous aurez compris tout ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. C'est la première conférence magistrale, merci, magistrale d'un cycle qui est destinée à nous permettre de ne pas avoir peur d'intelligence artificielle et au fond de réconcilier l'intelligence réelle avec l'intelligence artificielle. Exactement. Merci beaucoup. Alors, j'ai reçu 60 questions dans les 25 minutes qu'on a eues. Vous avez vu que Laurent Alexandre est très transparent avec ses contacts. Il y a son adresse email, il y a Twitter. Vous pouvez lui poser vos questions si on n'a malheureusement pas eu le temps de les relayer. Et on va maintenant aller boire un verre de vin. Et il sera là en chair et en os, vous pourrez aussi lui parler. Merci, on a rendez-vous donc le 14 juin pour la deuxième conférence de cette série des 90 ans de l'affaire avec un futuriste pour vous parler de l'impact des technologies. Merci à tous. Bravo, non, je vous dis bravo.